m'appelle Monsieur Kern. J'ai commencé à faire des graffitis en 96. Mes premiers amours, ils viennent surtout de la bande dessinée, de la peinture en général. Et logiquement, je suis passé à la peinture dans la rue parce que c'était une manière de promouvoir un peu mon travail et à moindre frais. Enfin, disons que ce mur est repeint tous les mois par des artistes différents. Du coup, ce mur va rester que 3 semaines et j'invite les gens à venir y jeter un petit coup d'œil quoi, avant qu'ils soient repassés. Du coup, c'est pas mal parce que ça engage à peindre les différents personnages assez rapidement disons que j'essaye de faire un seul et unique passage, de pas retoucher de trop les coups de pinceau. Quoi. Et puis en plus, comme il pleut, ben, ça fait un espèce de mélange de coulures. Là, puis on dirait que les sujets pleurent. C'est un petit clin d'œil à un tableau de Ingres qui s'appelle l'École d'Athènes, qui figure tous les philosophes de la Grèce ancienne. Et moi, j'ai fait un mélange un petit peu entre Plotin et Pluto le chien. Et donc, ça fait Plutin, le chien philosophe. Dans les années 90, j'ai commencé par faire du lettrage et des personnages et à peindre à la bombe. Et je me suis un petit peu distancié de l'aérosol parce que ça sent trop mauvais. Alors je préférais passer une technique plus traditionnelle et donc j'utilise des brosses. Et il y a pas mal d'autres artistes à travers l'Europe, à travers le monde qui s'éloignent de l'utilisation du spray et qui reviennent un peu à des techniques plus classiques. Et il y a comme un renouveau, si tu veux, du muralisme. Les jeunes utilisent plutôt de la peinture. Ça coûte moins cher et ça apporte aussi un certain confort de ne pas être tributaire des marques de spray, d'attendre les couleurs quand elles ne sont pas là. Moi, j'utilise une palette, j'utilise 4-5 couleurs que je mélange et avec lesquelles j'obtiens toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à moindre frais. Donc, j'en profite pour faire la promotion de mon livre, Le cas Alain Luc, qui est sorti aux éditions Les Requins Marteaux, qui sortira peut-être bientôt en Espagne. Voilà, plein de bisous.